Une boutique qui ne désemplit jamais, et derrière le comptoir, une figure connue des Manceaux. Pape Philippe Amagou a lancé deux magasins de réparation multimédia dans le centre-ville. Ils connaissent un succès grandissant. C'est évolué progressivement. On va dire qu'au départ, quand on s'est lancé, on était jeunes, on avait 24-25 ans. Donc on a fait toutes les erreurs qui étaient possibles et inimaginables. Voilà, on a appris en marchant et au fil de l'eau, quelque part, on a réussi à avoir une structure qui est de plus en plus professionnalisée, de plus en plus stable. Avant sa carrière d'entrepreneur, le franco-ivoirien était sportif professionnel. 16 années au haut niveau, dont 8 avec le Mansart Basket. 4 titres de champion de France, le meneur de jeu a laissé une empreinte indélébile sur le basket sartois. Mais son après-carrière, il l'a anticipé, il obtient un master en finance, quelques mois après sa retraite de joueur. Je viens d'une famille où on a toujours été très porté sur les études. C'est vrai que voilà, moi, mes parents et mes frères et sœurs ne travaillent pas du tout dans ce secteur d'activité qu'est le sport. Donc très rapidement, j'ai eu envie aussi d'aller voir autre chose. Un besoin de sortir un petit peu de l'écosystème sportif après ma carrière, qui s'est traduit par de l'entrepreneuriat. Bonjour. Pour se diversifier, Pape Philippe a monté ce centre de formation. Ici, les élèves apprennent à réparer des téléphones. Avant d'enlever la carte mère, on cherche à déconnecter toutes les nappes qui sont dessus. Un business monté avec ses amis d'enfance, rassuré de travailler avec l'ancien sportif de haut niveau. Je vois que c'est quelqu'un qui est très travailleur. Qui se donne à 100% quand on est dans le projet, il compte pas son temps, il s'investit énormément et il bouge beaucoup pour faire avancer les choses. Ce projet de formation est avant tout social pour Pape Philippe. Il veut offrir aux participants des perspectives d'avenir. Je pense que la meilleure des récompenses ou des meilleurs des retours pour nous, c'est qu'on a un report positif de nos candidats qui nous disent qu'on a apprécié votre formation. D'ailleurs, nous, dans nos premiers mois, on va vraiment être très sensible à ça, avoir vraiment ce retour pour pouvoir vraiment l'ajuster, la calibrer, la personnaliser pour qu'ils puissent avoir la meilleure compétence et la meilleure formation et même la meilleure expérience tout au long de la formation. À l'issue de cette formation, Pape Philippe embauchera deux personnes dans ses magasins du Mans. Un moyen de rendre à la ville tout ce qu'elle lui a donné lorsqu'il était joueur professionnel.